à tous. Petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire part d'un bon plan. J'en avais parlé il y a quelques temps, je dirais à peu près 2 ans, sur un blog que je tenais. Mais je voulais vous en faire part ici également. Voilà, donc je sais pas si vous devez toutes connaître, je pense, les espèces de boîtes qu'on trouve à la sortie des supermarchés avec le relais écrit dessus. Donc ce sont une entreprise qui récupère les vêtements usagés, etc. Enfin, ou qu'on veut plus, enfin pas forcément usagés d'ailleurs, mais des vêtements qu'on veut plus, etc., etc. Et moi, dans ma région, et je sais qu'il y en a pas mal dans le nord de la France, après dans le sud, je vérifierai, je vous le mettrai, je vous l'inscrirai là s'il y en a dans le sud ou pas. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Il existe des boutiques qui s'appellent Dingue Fringue, qui revendent ces vêtements qui sont récupérés, vêtements, accessoires, etc., à des prix super intéressants. Alors, ça peut en rebuter plus d'une de porter de l'occasion. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Alors, moi, je vais à une boutique qui se trouve dans la Somme, qui est très bien, que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de choses, comme je vous disais, il y a des accessoires, des vêtements, des foulards, des sacs, des chaussures. Bon, les chaussures, je suis un peu moins fan, parce que, bon, quand quelqu'un a mis ses pieds dedans, je suis pas trop fan de mettre mes pieds dans des chaussures qui ont déjà été portées. Par contre, après, pour tout ce qui est foulard, accessoires, etc., même pour les fringues, on les rentre, on les lave bien, il n'y a aucun souci à mon avis. Donc voilà, donc j'y suis allée hier et j'ai trouvé des petites choses sympas. Donc sinon, en vêtements, ce que je peux vous en dire, c'est que en général, pour femmes par exemple, vous pouvez trouver très bien des vêtements de marque tels que les jeans Levi's, vous pouvez trouver d'autres marques, René Derry, enfin tout qui est possible, inimaginable, hein, même des grandes marques par moment, même des marques de couturiers, ça peut arriver, hein, selon les arrivages. Happy! Et donc voilà, donc les vêtements sont vraiment à très bas prix. En général, c'est moins de 15 euros. Donc la plus grande partie des vêtements sont vendus à 1, 4,50 euros, 2, 8 euros et 3, 15 euros, je crois. Donc franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je peux vous assurer qu'il y a des choses qui n'ont jamais été portées, puisqu'il y avait des vêtements avec étiquette. Donc dans ces cas-là, un vêtement neuf on va dire 4,50 euros, ça vaut vachement le coup. Après, vous avez également la même chose pour les hommes et vous avez la même chose pour les enfants. Et pareil pour les enfants, je crois que c'est les 3-8 euros. Enfin, ça vaut vachement le coup parce que les gamins, en général, ils portent ça très peu de temps parce que ça grandit très vite. Donc voilà, donc je voulais vous faire part de ce bon plan. Donc moi, j'y suis allée hier et j'ai trouvé des foulards. Dans les fringues, il n'y avait rien qui m'intéressait. Donc j'ouvre le plastique parce que ça fait du bruit. Et donc je me suis pris 3 foulards, en sachant que les foulards sont à 1,50€, donc voilà, que demander de plus. Bon, faut fouiller, c'est dans un grand bac, faut vraiment fouiller. Alors je m'en suis pris 3, donc le premier que j'ai choisi c'était celui-ci, donc c'est un foulard bordeaux, j'ai ma grande folie du bordeaux en ce moment. Donc il est comme ça, il est nickel, hein, je veux dire, il est bordeaux avec des petits fils argentés dedans. Il est super joli, j'aime beaucoup, il est bien grand en plus. Donc ça va aller à la machine et puis voilà, après je peux le porter sans problème. Je dirais même qu'il est quasiment neuf puisque l'étiquette elle a rien du tout, on voit qu'il a jamais été lavé. Le deuxième que j'ai pris c'est celui-ci, donc c'est un foulard super basique, hein, c'est les styles pashmina là, les foulards qu'on trouve voilà, super facilement. Je les aime bien pour l'hiver parce que, je les aime bien pour l'hiver parce que je trouve que ça fait même la mi-saison, ça fait pas encore écharpe, grosse écharpe en laine de l'hiver, mais ça va très bien en ce moment. Donc il est violet, un violet vachement foncé que j'aime beaucoup et j'en ai pas du tout de cette couleur là, donc ça tombe très bien, pareil 1,50€. Et le dernier sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci. Donc c'est pas un foulard long comme je les aime en général, c'est un foulard carré celui-ci, mais c'est un, comme vous pouvez le voir, c'est un grand carré. Donc il est comme ça, il est beige avec des fleurs, des espèces de roses de coquelicots et des rouges avec des fleurs bleues. Et il est un peu avec plein de reflets dorés dedans et il est vraiment super joli. Je l'ai trouvé vachement agréable, en plus il est tout doux. Donc voilà, une fois passé à la machine, ça fera super sympa. Donc voilà, donc 3 petits foulards comme ça pour 4,50€, hein, que demander de plus. Bon après il faut fouiller, comme je vous dis, il y a des trucs qui n'étaient pas forcément, qui ont des petits défauts, etc. Mais moi je trouve que ça vaut vachement, vachement le coup. Donc surtout, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre
S'il y a des boutiques dans le sud également, parce que ça, je sais pas du tout. Pour celles qui habitent la Somme, je sais qu'il y en a une à Abbeville, en face de l'ancien palais de justice, et il y en a une également à l'Étoile. Après, je sais pas s'il y en a sur Amiens, je suis pas certaine. Je vérifierai également, mais je vous dis, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Voilà, donc j'espère que bah, si vous avez déjà, vous, été dans une boutique Dingfrank, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, bah, si cet bon plan vous plaît, bah, dites-le moi aussi. Et voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!